Eh bien, salut à tous, mes fidèles disciples, ici The Lord of Gaming. Et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Alien Isolation. Aïe, 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 il y a de l'alien qui... Oh putain, il est juste là-bas. Holy shit. Holy shit. Alors, la partie commence bien puisqu'on a déjà l'alien sur le dos. Alors, il faut que j'accède à ce terminal. Je ne sais pas du tout si pendant qu'on est sur l'ordi, on est tranquille. Docteur Morley, je... Oh non! Putain, il est à côté. Docteur Morley, je me contrefous de ce que vous croyez devoir faire. Je veux que vous déguerpissez de San Cristobal sur le champ. Vous savez ce qu'on a installé là et je suis vraiment navré de ce que ça implique. Pour les patients, on ne peut pas déplacer, mais c'est la seule façon. Si j'entends l'alien à côté, c'est atroce. C'est votre dernier avertissement. Ok, Morley mise à jour, Morley, ah il y a un code, 2505, il faut que vous sortiez du centre médical, on s'est installé dans la tour d'habitation, les gens se battent pour les provisions, ok, donc c'est un peu la merde, ils se battent pour les provisions, etc, etc, le code par contre, c'était 2505, main, verrou, colonie verrouillée, ok, audio, Docteur Lingard, ici Ransom, vous vous souvenez? Votre copain directeur général de Sixon, Lingard. Vous ne passez plus, vous n'appelez plus. 2505. Enfin, oh. On n'a pas forcément le temps. Et puis, il faut dire que j'ai beaucoup d'autres amis, dont certains portent l'uniforme. D'ailleurs, l'un d'eux m'a dit que vous aviez contacté le Marshal Waits à propos d'une, disons, intéressante trouvaille. Je veux en savoir plus. Pas de discussion. Après tout... Est-ce qu'il vous connaît vraiment bien, ce Waits? Ok. Pas autant que votre vieil ami, en tout cas. Blablabla. Et je parie qu'il ferait preuve de moins d'indulgence vis-à-vis du marché noir de médicaments. J'attends votre appel avec impatience, Doc. Ok, désolé. Alors, on a trouvé le plan pour fabriquer des cocktails Molotov. Oh putain, l'alien est juste là. Oh putain, il est là. Ok, il est dans les conduits. Bon, alors là... Ok, ok, allez, on y va. Attendez, je vais quand même m'équiper d'un fumigène ou quelque chose pour détourner l'attention. Alors, il faut qu'on trouve un truc, un medikit ou quelque chose dans le genre. Ah, sa mère! Oh putain, sérieux, c'est pas vrai! Oh putain, je vais me faire repérer direct. Oh putain. Ouh, je l'entends, je l'entends. Ok, 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 on doit aller là. Je vais me planquer là derrière. Ah, oh, c'est des fous, sérieux, c'est des malades. Là, j'ai vraiment mis le casque fort en plus. Putain, il arrive. Allez. Alors, il est où? Il est là-bas. Ok. Allez, on y va. On y va. Oh putain, il faut une carte d'accès. Trouver la carte d'accès. Ok. Alors, dans un premier temps, on va essayer de trouver cette fameuse carte. Il est où, lui? Il est là. Attendez, parce que je crois qu'il peut descendre par... Oh putain. Oh putain. Il est juste là derrière. Ok, il s'en va. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, t'es où? Allez. Il nous faut une carte d'accès. Alors. Alors, ils nous disent quand même que l'objectif est... Oh merde! Non. Il va pas nous lâcher la grappe, hein, c'est pas possible.
voyez, il y a une trappe juste ici. Bon, une carte d'accès là. Allez. L'objectif est totalement faussé puisqu'on doit avoir une carte d'accès. Donc j'y retourne encore une fois. Carte d'accès requise, ok. Là, par là, on peut pas passer. Mais est-ce que j'ai raté une carte ici, finalement? Ah, le code. 25, 25, 05. Et oui, la carte est là, les amis. La carte est ici. Allez, s'il te plaît, dépêche. Comment? J'arrive. Ah, j'adore quand Amanda parle. Ah, ce jeu est vraiment immersif. Ok, super. Alors, on a la carte. Oh putain, je crois que lui, par contre, peut ouvrir la porte. Je préfère attendre un petit peu, hein. Regardez, il est juste là. 0,32. Alors, je sais pas si c'est des mètres ou des miles. Enfin, quelle autre unité de mesure cela peut être. Bon, on tente. Allez, on tente. Allez, on tente. Allez, go. Est-ce qu'il y a un code à faire? Non. Non, s'il te plaît. Allez. Oh, putain. Est-ce qu'il a quelque chose, lui? Oh oui, c'est un vrai cauchemar. Oh putain. Il est derrière. Allez, bon, je vais lancer. On va lancer le fumigène là-bas. Merde, j'ai fail comme un gros noob. Il est où mon fumigène? Oh putain, il est juste là. Allez, c'est quoi cette porte? Allez. Merde! Il y a des êtres humains. Rappelez-vous, ils peuvent nous tuer aussi. Ah ouais, non, là c'est chaud. Là c'est pire que chaud. On a les êtres humains et l'alien sur le dos. Hop, il est parti. Par contre, on a les êtres humains, donc on va faire gaffe. Ah, là-bas, on a un placard pour se planquer au cas où ça tourne au vinaigre. Oh là là. Non, c'est bon. Notre objectif, par contre, est par là-bas. Oh, zut. Non, ou par là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, on doit reprendre cette porte. Oh merde! D'accord, c'est pas l'alien! Et oui, parce que sur le radar, je vois aussi les personnes. Ah là là, non! Faudrait que je lui mette un coup de taser éventuellement. Est-ce que j'ai le taser? Oui. Alors, où est-il? Il est là. Allez, on va essayer de lui mettre un coup de taser de dos. Tu vas là? Allez. Merde! C'est bon, ça a fonctionné. Objectif. Ah, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va fail. Je sens que ça va être le gros fail de la mort qui tue. Ok, oh là là. C'est à droite. Ok, pour l'instant, tout va bien, les amis. Pas de stress. Ok, là, on a une porte. Ok, oh, putain. C'est par là. Oh, il y a quelque chose à ramasser. Les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Ok. On doit reprendre cette porte. Il y a du mouvement. J'entends des voix.
carnage. Ah, regardez. Là. Allez, come on. Samuels. On a les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. On va se mettre... Oh, 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 il y a quelqu'un qui arrive. Ouh là là, ils sont trois. Oh putain. Putain, il y a des coups de feu. Oh, il y a l'Hélène. Il y a... Putain, non. Ils sont en train de se faire massacrer. Oh putain, il est là. Oh, j'hallucine. Oh putain, non. C'est un truc de malade. Oh putain. Bon, il a fait le travail pour nous, il a tué tout le monde, j'hallucine. Allez, on va se tirer de là, vite, 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 s'il vous plaît. Alors, personnel Foster... Oui, on s'en fout, oh putain, oh, je l'entends. Non, c'est bon. Turner, on a eu une tuile ici à San Cristobal. Ok, on s'en fout, allez, go, 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 go. Alors, je vous rappelle, on a des bombes fumigènes et d'autres ustensiles... D'autres crafts. Oui, il est là-bas. Oui, il est là-bas. Putain, il arrive. Il est en vie. Non. C'est bon, il est parti dans le conduit. Je suis désolé, les enregistrements audio sont d'un niveau sonore très faible. Donc ça vaut pas forcément trop la peine qu'on s'attarde dessus. Allez, dites-moi pas qu'il est encore là. On doit aller en face. Il nous faut une save au plus vite. On a les médicaments donc pour Taylor qui est vraiment mal en point, la pauvre. Et j'imagine qu'on doit aller la retrouver. Je me rappelle plus trop. Oh, regardez, on a un accès ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout droit ou pas? Oh putain, ils nous font tout retraverser. Oula, j'ai pas confiance. Allez, on va se planquer. Attendez, laissez-moi une petite seconde. Voilà. Allez, let's go. Il est juste au-dessus de nous. Mais il est dans les conduits. Ok, donc on va vérifier le plafond. Regardez, vous voyez là, il y a une trappe. Il pourrait arriver ici à n'importe quel moment. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur cet ordinateur? Alors, personnel, ceci est une plainte envers la station médicale. Je refuse d'être pris en charge par un androïde, n'importe lequel. Je suis un cadre supérieur de Sixon et j'ai énormément investi financièrement dans Sébastopol. J'exige des soins appropriés, etc. Blablabla. Je me dépêche avant de me faire perforer le thorax. Dossier médical, médecin traitant Lingard, importante brûlure chimique sur le bras et les jambes. Non, s'il te plaît, merci. Médecin traitant, docteur Cullman, dégâts cérébraux probablement dus à une asphyxie causée à la strangulation manuelle. Ok, il y a des trucs un peu bizarres. Utilitaire. Non. Morley, allez, on va écouter ça. Suite à l'incident, les marchands veulent qu'on interdise l'accès au centre médical. Ils amènent une équipe. Attendez. Pour ce que la patiente propose. Même si on a dit que c'était rapide. Attendez. Ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont des filets. Je vais installer un centre médical provisoire à l'extérieur. Vous êtes en charge pour l'instant. Ne laissez pas Cullman vous amadouer. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ces auto-prescriptions avec le Marshal Waits qui nous tourne autour. Oui, donc voilà, je sais pas trop en fait. Je suis surtout focus sur l'alien et mon objectif. On sait qu'ici c'est le bordel. Tout le monde a démissionné, enfin s'est fait virer. Et en plus il y a eu l'alien, il y a eu plus de communication, il y a eu des morts, personne ne peut repartir. Et que l'IA
Donc Apollo, qui gère un petit peu les androïdes, bah fout sa merde parce qu'elle a été programmée tout simplement pour le faire. Sûrement pour garder l'alien en fait à bord en fait. Tout simplement. On connaît la musique. Alors, notre objectif est par là-bas. Attendez. Attendez. Je vais quand même ramasser ça. Voilà. Ah, la porte est éteinte. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Alors. Allez, faut qu'on avance. Oh, y'a là. Je sais pas trop quoi faire. C'est bon, je le vois plus. Allez, faut qu'on parte par là. Je me mets debout, hein. Je prends des risques, tant pis. Je cours pas, hein. Je marche. Attendez, la trappe. Faut surtout pas être en dessous des trappes où l'alien pourrait sortir. Ça, je m'en rappelle. Y'a pas de soucis là-dessus. Là. Ok, on doit aller là. Holy shit. On a une save, les amis. Yes, come on. Je vais aller save direct. Oh, franchement, ils savent trop gérer le stress. Franchement, énorme. Ok. Alors, on n'est pas mort. Je suis satisfait du gameplay pour l'instant. J'espère que vous aussi. Alors, là, ici. Donc on n'a plus l'accès à la porte, donc on va devoir remettre le courant, je crois que c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Allez, encore une fois. Ok. Voilà, on a dû remettre le courant. Waouh, le soleil, enfin la lune, l'étoile. Oh. Attendez. Merde. Y'a l'alien. Les infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Ok, il est pas là. Des fois, je panique pour rien, mais croyez-moi que quand vous avez la manette dans les mains et le casque sur les oreilles, franchement, c'est vraiment, mais vraiment bien fait. Moi qui pensais que c'était un jeu d'action à la base. Vous inquiétez pas, il y aura de l'action dans un petit moment, enfin, dans un bon moment, il me semble. Mais, pour l'instant, on la joue en mode safe attitude, pour tout simplement pas mourir. Hein. Ok, alors là, on a un autre... un autre groupe électrogène, là, enfin bon, un truc qui produit l'électricité. On va dire ça comme ça. Aïe, je l'écoute. Allez, vite. Allez, commande. Yes. Nice. Alors. Ok, apparemment, on a... Oh. Il y a du mouvement. Oh putain, il y a un androïde. J'ai quoi? J'ai un taser, donc... qu'est-ce qu'on peut faire avec le taser? Est-ce que ça va? Ripley. Pas maintenant. Oh putain. Il est où? Il est là. Oh putain, est-ce que je vais avoir le temps? Vite. Je veux surtout pas d'alarme ou de trucs chelous. Oh yes. Yes. Vite, sors, il est là. Ouf. Ok, je sais pas ce qu'on vient de faire, mais j'ai activé quelque chose. Je voudrais me planquer. C'est bon, on a déverrouillé. On peut y aller. Oh putain, on a tout... Oh le merdier.
Oh, regardez, il y a une trappe, il y a une trappe. Merde, 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 allez. Ok. Ok, ok, ok. On va éteindre la lampe. Je sais pas du tout où ça mène, hein. Faites voir la carte. Ah oui, d'accord, j'ai pas récupéré les cartes. Donc forcément... Je suis pas du tout dans le bon sens. Bon, on va essayer de remonter ici. Et on verra. Attendez. Oh, j'en sais rien. Alors, à mon avis, s'ils ont mis la trappe, c'est pas par hasard. On est où ? Allez, on doit aller par là-bas. On a foutu un merdier. D'accord, on est juste derrière la salle en fait, derrière la porte. Il y a un mouvement, il y a du mouvement. Oh putain. Je vais m'arrêter. 22 minutes. Bon, les amis, ce qu'on va faire. On est en plein cœur de l'action, je suis désolé, mais on va reprendre tout de suite. Je vais sûrement mettre l'épisode là d'affilée. Donc voilà, on va reprendre la suite de notre Let's Play au prochain épisode. Merci à tous mes fidèles disciples. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, cela me ferait très plaisir. Je vous dis à tout de suite, ciao bye bye.